Christmas, but I won't wait till next year to try and feel the distance we've had with decorations. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va décorer ensemble pour Noël et on va aussi préparer des petits biscuits de Noël qu'on appelle Bredel en alsacien. Donc cette vidéo, je l'ai tournée il y a déjà 2 semaines, mais mon Mac est complètement saturé et j'ai eu beaucoup de mal à faire ce montage. D'ailleurs, il va falloir vraiment que je trouve une solution pour les prochaines vidéos. Enfin bref, donc pour la déco, j'utilise toujours mon ancienne déco comme d'habitude. J'achète juste quelques nouvelles petites pièces, par exemple ces étoiles que j'ai prises à Maison du Monde. Et je les ai placées au niveau des crochets qu'on avait installés pour mettre l'arche de ballon pour l'anniversaire de Satine. Et finalement, ces crochets, je vais les laisser en place. Et ça me fera des petites décos supplémentaires à ajouter quand je fais ma décoration. Donc, comme d'habitude, je fais quasiment toujours la même décoration aux mêmes endroits. Voilà, je n'innove pas énormément. Donc, j'ai changé la déco que j'aimais d'habitude sur la cheminée. Donc, j'ai pris cette guirlande en faux sapin et LED chez Action. Je crois qu'elle coûtait moins de 8 euros. Donc vous verrez à la fin, ça fait un joli résultat, un joli rendu. Et j'ai aussi pris à Stokomani ces fausses coulées de neige en feutrine, je pense. Donc j'ai payé ça 2 euros et j'ai pu en mettre à toutes les fenêtres de la cuisine. J'ai également pris à Action ce cadre photo, donc ce pêle-mêle photo que j'ai payé, je crois, 7 euros. Et je l'ai pris pour mettre les photos qu'on a fait, les photos de Noël. En fait, j'ai gagné un concours d'une photographe pour faire une séance de photos de Noël. Donc, j'étais trop contente. C'est des photos qu'on avait déjà fait avec elle il y a 3 ans. Et donc là, on a fait avec le petit Amelio. Donc, elles sont très jolies. Ensuite, j'ai mis, comme d'habitude, mes petits flocons de neige au niveau des lampes à la salle à manger. Et ensuite, j'ai pris ça chez Action toujours, donc des kits pour faire des petites maisons en craft. Donc le kit pour faire 12 maisons est à 2,22 €. Donc j'ai pris 2 kits et on a fait toutes ces maisons avec Satine. Donc je ne vous cache pas que ça prend énormément de temps. Donc déjà de faire la déco avec le feutre, ensuite de faire les découpes, d'enlever toutes les petits cartons au niveau des fenêtres, ensuite de mettre le papier à l'intérieur, de coller avec le pistolet à colle. Bref, je n'ai pas fait ça en une journée, hein, je l'ai fait en plusieurs jours. Mais en tout cas, le rendu est super joli. Je les ai mis notamment, vous le verrez tout à l'heure, dans ma bibliothèque au salon. My bag is taking it slow, won't work in time. It's only so long for Christmas lights. It can't be a song you sing sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this Christmas. Yeah, you've left me wondering just how you're feeling, and I want you to know my doubts about is realized. Me walking barefoot in the San Diego snow. I feel something familiar. I celebrate you. God did his thing with you. Don't be a stranger, be my date. Without you, this ain't a holiday. So let me be your family this Christmas. Let me be your family. Let this be the season that you've been waiting for. Thank you.
Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be with someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name. Knit sweaters and lace, dressed up alone on the couch. Et maintenant, on passe à la préparation des bredella. Donc, je ne vous ai pas filmé en détail les 5 sortes que j'ai fait ce jour-là, sinon ça serait trop long. Mais je vous ai mis toutes les recettes en barre d'infos et vous verrez, c'est très facile. C'est toujours la même chose en fait. Donc moi, pour faire ma pâte, j'utilise toujours ma machine à pain. Donc j'utilise pour pétrir ma pâte en fait. Si vous avez un robot, utilisez-le. Et sinon, vous pouvez le faire à l'ancienne, tout simplement à la main. Ensuite, une fois que la pâte est prête, vous pouvez l'étaler sur un papier sulfurisé. Si elle colle trop, vous la mettez un petit peu au réfrigérateur. Et ensuite elle ne collera plus. Moi j'ai pas eu besoin parce que j'avais pas laissé fondre mon beurre complètement. D'ailleurs, donc le beurre pommade, en fait c'est juste qu'il doit être légèrement mou en fait. Voilà, pas du tout fondu au contraire, parce que sinon là effectivement vous allez devoir mettre votre pâte au moins 2 heures au frigo jusqu'à ce que ça devienne dur à nouveau. Vous verrez même avec le robot en fait ça marche tout seul, hein. Même si vous mettez du beurre légèrement dur, ça va pétrir et il va bien se fondre dans la pâte. Enfin bref, ensuite vous faites vos petites formes et ensuite ben, vous rassemblez tout ce qui reste et vous recommencez, vous étalez et vous recommencez vos formes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pâte. Ensuite on va venir dorer les petits biscuits avec un mélange de jaune d'œuf et de lait et ensuite au four. Donc pour les cuissons c'est à peu près toujours la même chose, vous mettez votre four à 180 degrés. Et vous les laissez cuire environ 10 à 13 minutes, ça va dépendre de votre four. En fait, vous vérifiez, dès qu'ils commencent à dorer, vous les sortez, vous les mettez sur une grille, ils seront encore un petit peu mous, c'est normal, et ils vont durcir en refroidissant. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Time to be with someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when... Ensuite, après cette fournée-là, j'ai préparé les sablés au citron. Donc ça, c'est mes préférés. Et en fait, j'ai eu un gros problème, c'est qu'au moment de préparer mon glaçage, je me suis rendu compte que je n'avais plus de citron. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc de la mandarine. Ils étaient bons aussi, mais je préfère quand même les citrons. Et donc pour le glaçage, c'est tout facile. Vous prenez du sucre glace et vous versez goutte à goutte votre jus de citron ou de mandarine pour moi. Et vous mélangez en fait dès que c'est bien épais, que le sucre glace est bien fondu, et ben c'est prêt. Donc en fait, il vous faut vraiment très très peu de gouttes de citron, vous verrez. Ensuite, on va préparer les petits bredella à la coco. Alors ceux-là, ce sont les plus faciles et les plus sains. En fait, dedans, il n'y a que du blanc d'œuf, de la noix de coco et du sucre. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de beurre. Ils sont ultra faciles à faire. Donc moi, j'avais plus assez de coco râpé, malheureusement. Donc j'avais 100 grammes de moins que prévu, mais ils étaient quand même bons. Mais je vous ai mis la bonne recette dans la barre d'infos. Donc vous montez vos blancs en neige, vous rajoutez le sucre et la coco et vous faites des petites boulettes comme ça sur votre papier sulfurisé. Et pareil, une dizaine de minutes au four. Et vous verrez, ils sont super bons. Kissing under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air, I dream of this. Ensuite, je prépare des petits sablés au chocolat. Ceux-là aussi sont trop trop bons, ils partent super vite.
Donc pareil, la pâte comme d'habitude que je fais dans mon robot. Voilà, vous savez la suite, hein. On étale sa pâte, on fait ses petites formes. Et ensuite, tout simplement, je viens fondre du chocolat de couverture. Et une fois que mes biscuits sont cuits et à peu près refroidis, je viens les tremper. En fait, je les trempe juste une moitié du biscuit, comme ça fait plus joli, plus propre. Et ceux-là, par contre, bien sûr, il va falloir les laisser refroidir, enfin sécher, en tout cas pour le chocolat, beaucoup plus longtemps, quelques heures pour qu'ils soient prêts à être dégustés. And under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name, knit sweaters and lace. Et pour terminer, on a préparé des petits biscuits à la confiture. Donc là, j'ai utilisé ma confiture de potimarron, mais vous pouvez utiliser celle qui vous plaira. J'aime bien aussi utiliser la confiture de framboise, c'est très bon. Ne les mangez pas tout de suite. Laissez-les reposer au moins une nuit dans votre boîte en métal, parce que si vous les mangez tout de suite, ils vont être en fait durs comme les biscuits traditionnels. Et nous, ce qu'on veut dans ces biscuits-là, c'est qu'ils soient fondants. C'est comme ça qu'ils sont les meilleurs. Et si vous les laissez bien reposer, la confiture et les biscuits vont comme fusionner et c'est là qu'ils vont devenir ultra moelleux et fondants en bouche. Pour la décoration du dessus, vous saupoudrez de sucre glace. Et ça, c'est une fournée que j'ai fait par la suite. Et en fait, ils doivent avoir cet aspect-là traditionnellement. Et j'avais oublié pour ma première fournée. Donc avant de les cuire, en fait, vous faites des petits trous sur la moitié d'entre eux. Ensuite, vous conservez tout ça dans des boîtes en métal. C'est comme ça qu'idéalement, on les conserve. Et donc depuis, j'ai fait au moins 4 ou 5 sortes de plus, mais je n'ai pas filmé. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse d'autres vidéos avec d'autres recettes de Bredele, dites-le moi en commentaire et je m'en occuperai avec grand plaisir. Je voulais aussi vous dire que cette année, j'ai fait vraiment les biscuits traditionnels au vrai beurre. Généralement, je fais à la margarine, puisque vous savez peut-être que j'utilise quasiment jamais de produits laitiers dans ma cuisine à la maison. Mais là, vraiment, je voulais les faire les traditionnels. Donc, j'ai utilisé du beurre. Voilà, c'est qu'une fois par an et on se fait plaisir. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, ce qui m'aide beaucoup à faire grandir ma chaîne. Et je vous attends en commentaire. Je me fais toujours un grand plaisir de vous lire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Kissing under bright lights, snowflakes in my hair.